L'homme. L'homme est petit, mais courageux dans l'adversité. Je suis immense face à lui. Je suis l'eau. J'ai dessiné le monde. J'ai le pouvoir de transformer la nature. J'ai fait naître des villes. Ma puissance est infinie, mon énergie souvent indomptable. Pourtant, l'homme a réussi à me canaliser, m'utiliser pour prendre le meilleur de moi-même. À plusieurs, hommes et femmes si petits et pourtant si grands, ont rassemblé toutes leurs forces et ils m'ont dompté. C'était il y a plus de 50 ans. C'était des bâtisseurs, des visionnaires qui ont fait de moi la première énergie renouvelable. La seule énergie stockable parmi toutes les autres. L'hydroélectricité d'EDF. Aujourd'hui, plus que jamais, cette énergie est promise à un bel avenir. Au quotidien, les hydrauliciens s'y préparent et ne manquent pas de défis à relever. Des plus petits aux plus grands. EDF investit dans ses centrales et barrages hydrauliques. EDF veut gagner dans un monde en concurrence. EDF fait rayonner son savoir-faire en France et à l'international. EDF, entrepreneur des territoires, agit pour l'environnement. Vous êtes les nouveaux bâtisseurs. Je suis l'eau. Ensemble, construisons l'énergie du futur. La Terre est une œuvre d'art. La beauté s'impose à toi. La beauté, elle est là. Faire découvrir aux gens les merveilles de l'univers. Et je tiens à ce que vous voyez ça de vos propres yeux. Les animaux, les ciels. Tout est puissant ici. Il y a des solutions. On peut le faire. C'est une question de volonté. Il n'y a que des gens qui sont assez fous pour croire qu'ils peuvent changer le monde, qui vont vraiment y arriver. We have run out of excuses and we are running out of time. Bonjour, c'est Fanny Agostini. Je vous retrouve tous les mois sur Ushuaïa TV. J'ai le plaisir de vous retrouver sur Ushuaïa TV pour cette soirée exceptionnelle. Combien d'espèces sont apparues? Combien ont changé le cours du vivant? Ce que je veux, c'était montrer l'utilité de cette beauté de la nature. Il n'est jamais trop tard. Je serai en première ligne. Bonsoir. Il y a le sourire hein, de l'homme là. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Eh bien, maintenant est venue la. Tiens, je ferme cette petite bouteille parce que je suis un peu maladroit. Parfois, on m'appelle Pierre Richard, donc je fais gaffe. Le temps est venu de remettre les prix des documentaires et vous remarquez ce magnifique jury. Sagement assis, qui ont travaillé dur, n'est-ce pas? Et donc, pour m'accompagner dans cette tâche d'animateur, présentateur,
j'ai demandé, parce que ce n'est pas mon métier, j'ai souhaité et qui a accepté de se prêter au jeu, mais plus qu'un jeu, puisque c'est elle qui a présidé le jury et qui maîtrise parfaitement le magnifique sujet des délibérations. Je souhaiterais que Mireille Dumas puisse me rejoindre. Bon, et d'abord, merci à vous d'être ici. Nous avons passé avec le jury, tous les membres du jury, trois journées absolument magnifiques, mais comme le disait Christian, des journées aussi de travail dans cette petite ville de Luchon qui a donc décidé de mettre à l'honneur les documentaires, le genre le plus créatif, le plus périlleux. Je le disais hier soir ou avant-hier soir, je ne sais plus. En tout cas, le plus ingrat souvent de la télévision qui nécessite de l'humilité, de la patience et de la ténacité pour les réalisateurs, mais aussi pour les producteurs. Donc je tiens, avant que l'on décerne justement nos coups de cœur, les prix, je voudrais applaudir tous les réalisateurs et producteurs qui ont participé à ce festival, ainsi que les membres du jury qui ont travaillé dur et qui connaissent parfaitement ce métier. Alors, quelle bonne idée d'avoir créé cette année des catégories pour le documentaire, parce que le documentaire est un genre tellement vaste, tellement large, que ça permet comme ça, de choisir avec un peu plus d'acuité. Mais quand on crée des catégories, bien entendu, certains documentaires se retrouvent tiraillés, à cheval, je ne sais pas comment le dire, entre deux genres. C'est pourquoi nous avons décidé d'attribuer le prix des sciences à un film très poétique qui parle de nature et d'environnement, certes, mais aussi de sciences appliquées, de génétique, de physique. Un documentaire qui est une vraie découverte sur des génies de la nature qui sont aussi anciens, tenez-vous bien, que des dinosaures, c'est vrai. Et ce film s'appelle « Le message des papillons ». Il est réalisé par Pierre Bressian et produit par Serge Guèze. Et je souhaiterais inviter Christophe Sommet, le diffuseur, à me rejoindre. Ah, il prend la photo quand même, oui, parce que ça, c'est inoubliable. En tant que diffuseur, n'est-ce pas ? Ils étaient là ce matin. Merci à vous. C'est un petit peu une surprise et une agréable surprise. Je suis désolé que l'équipe ne soit plus là parce qu'on a fait la projection ce matin et il y a eu un grand succès mérité. Enfin, c'est pas pour se faire de la flagornerie, mais en tout cas, voilà, ceux qui ne l'ont pas vu, je vous encourage à le regarder. C'est un beau projet qu'on a décidé de soutenir avec la chaîne Ushuaïa TV. Un sujet pas simple, mais qui montre la beauté de la biodiversité, la magie de notre planète, tout l'ADN de la chaîne. Donc merci pour eux. Ils seront ravis. C'est la première fois que je fais ça. Bravo. Bravo, bravo. Voilà, comme nous avions aussi le droit de faire notre petite révolution, que Christian nous a dit que nous pouvions créer aussi des prix, nous avons donc décidé cette année, puisqu'il y avait des catégories et il nous semblait qu'il y en avait une qui était formidable, qui manquait peut-être à l'appel, donc c'est le documentaire de la géopolitique. Nous allons appeler Daniel Lecomte. Voilà, Daniel Lecomte, réalisateur, producteur, président de film en stock, pour remettre ce prix. Voilà, d'abord, je voudrais remercier au nom de tous mes camarades, même si je n'aurais pas demandé la permission, Mireille Dumas aussi, parce qu'elle nous a conduite de main de maître pendant ces quelques jours, et grâce à elle, on a pu avoir un débat fructueux qui a abouti à ses prix. Alors, le prix de la géopolitique a été attribué donc à, je ne vais pas me tromper sur le titre, donc Asie-Pacifique, La Nouvelle Poudrière. Et
Voilà. Et je vais appeler Anne Lussouarne et Anne-Séverine Deslongchamps à monter pour recevoir ce prix. Alors, en attendant, je vous invite à découvrir un extrait en vidéo. Ils pensent que la mer de Chine du Sud est à eux. Nous savons définitivement qu'ils pensent que Taïwan fait partie de leur territoire. Il y a aussi des disputes avec l'Inde et d'autres endroits encore. Et la Mongolie alors? Ces enjeux de territoires et de puissance placent la Chine de Xi Jinping sur une trajectoire de collision avec les États-Unis. Oui. Bravo. Donc voilà, j'ai produit beaucoup de films géopolitiques quand j'étais producteur de documentaires. Et je dois dire que si vous aviez été en âge de faire des films pour moi, probablement que j'aurais essayé de vous piquer à Bonne Pioche. Voilà. Donc si les gens de Bonne Pioche sont là, c'est aussi... Voilà, bravo. Emmanuel Priou, c'est aussi une performance d'avoir réussi à trouver ces pépites. Et je voulais vous demander... Alors, par avance, je vous autorise à refuser de répondre à ma question. Oui. Mais vous avez peur, hein? Oui. Non, mais parce que... Je vais poser les questions. Oui, je sais bien, mais parfois, il faut se soumettre à ce genre de situation. J'ai vu certaines images, vous allez voir, c'est un film extraordinaire. C'est-à-dire, c'est sur la situation aujourd'hui en mer de Chine. Et pour ceux qui douteraient encore qu'il y a dans cette région du monde un danger imminent, je vous recommande de voir ce film. C'est extraordinaire. J'ai vu beaucoup de films sur ce sujet. J'en ai pas vu d'aussi pertinent sur la menace qui pèse sur nous. Parce qu'il y a deux choses, je voudrais dire. D'abord, c'est des navires de guerre chinois qui éperonnent des pêcheurs philippins. Et avec une violence absolument inouïe. Alors, j'ai sur ce point une question. C'est que les images sont filmées du point de vue du bateau de guerre, il me semble. Les images, on a beaucoup d'images. Mais ces images où on voit l'éperonnage. Tu prends le micro. Ah oui, pardon. En fait, c'est une collecte d'archives qu'on a été obligé de faire, évidemment, cette année de Covid. Donc on s'est adressé à tous ceux qui avaient filmé dans les différents pays. Donc il y a des images qui ont été filmées par les armées, il y a des images qui ont été filmées par les pêcheurs, on n'a pas trop, les gardes-côtes. Parce qu'en fait, ce qui se passe sur la mer est un peu invisible. On s'est vite confronté au manque d'images. Ça a été un casse-tête dès le début, parce qu'on ne pouvait pas trop bouger déjà en année de pandémie. Et en fait, on s'est aperçu que les images étaient assez répétitives et elles manquaient. Donc c'était une partie du monde où se jouaient des choses très importantes, mais loin des caméras. Il y a eu des moments très importants dans l'histoire, par exemple les Scarborough. On en vient à avoir 4 photos. Donc pour une histoire qui aurait pu prendre beaucoup de place, beaucoup plus de place dans le documentaire. Mais voilà, on a été confrontés à cette pauvreté de... Les choses se passent loin des regards. Et il y a des choses graves qui se passent loin des regards dans cette mer. Bravo. Bravo, merci, bravo. Anne-Séverine. Je vous remercie beaucoup d'avoir créé une catégorie spéciale géopolitique. On est ravis. Et merci et bravo aussi à tous les autres films qui ont été sélectionnés. On dédie ce film évidemment à toutes les équipes qui ont pris des risques sur ce projet et qui nous ont fait confiance. Et merci beaucoup à toi, Anne, pour ce premier film qu'on a fait ensemble. On était vraiment, vraiment ravis et très heureuses du résultat. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Je vous invite à... Ah, petite photo. Mesdames, vous êtes au cœur. Encore la photo. Voilà. Et bientôt ce film sur Arte, avec une très belle soirée sur le sujet. Merci.
Alors, nous revenons maintenant à des catégories qui étaient prévues au programme. Donc, pour remettre le prix Histoire, j'appelle Valentine Rousseau, qui est journaliste culture au Parisien. Donc, merci à tous. Nous remettons le prix donc, du documentaire Histoire aux Incorrectes, Alice Mia et les débuts du sport au féminin. Ouais, attends. C'est un documentaire réalisé donc par Anne-Cécile Genre, produit par Amandine Lebras et Julien Tricard. Nous avons été embarqués dans l'histoire méconnue d'Alice Mia, qui a créé les premiers Jeux olympiques pour femmes. Alors je voulais dire à l'équipe merci, merci de l'avoir sorti de l'oubli, merci d'avoir dévoilé la misogynie révoltante de Pierre de Coubertin, merci de donner envie aux élus de baptiser leur stade Alice Mia. Votre travail est remarquable, vous avez même retrouvé la première femme qui avait couru le marathon de Boston en 1961. Son témoignage est édifiant. Votre travail pose une pierre précieuse sur le chemin de l'égalité homme-femme et continuons à parcourir ensemble ce chemin. Merci à tous. Eh bien. He just exploded in rage. And he tried to pull off my bib numbers off my chest. I jumped away. My coach was screaming, leave her alone, she's okay, she's okay, I've trained her. And he hit my coach like this and he had me by the shirt. And my boyfriend threw a shoulder charge into the official and sent him flying out of the race instead. It was astonishing. Eh bien, ils étaient là en début de semaine. Félicitations encore. Alors, je suis désolé, je ne veux pas squatter la soirée, mais c'est l'avantage d'avoir plusieurs chaînes. Sans les moyens de groupe, voilà. Bref, écoutez encore. Alors, la réalisatrice n'est pas là. Elle a dû repartir pour la capitale. Voilà, une réalisatrice formidable, un sujet formidable qui fait sens aujourd'hui. Évidemment, pour nous, c'était une évidence sur la chaîne Histoire TV d'accompagner ce projet qu'on ne peut pas malheureusement diffuser le 8 mars. On le diffusera en mai. Pourquoi pas le 8 mars, parce qu'il y a un certain nombre de personnalités politiques qui s'expriment et on a des problématiques d'équilibre de temps de parole. Malheureusement, on voulait utiliser ce symbole-là aussi pour réaffirmer notre politique en faveur de l'évolution des droits. On a fait un très beau documentaire aussi sur l'évolution des droits LGBT il y a 2 ans. Les femmes sont aussi au cœur de pas mal de nos programmes. Voilà, donc merci Amandine, merci à la Fondation aussi Alice Mia, merci au jury. Et voilà. Merci. Merci à vous. C'est bon ? Voilà, moi je propose au jury pour de ne pas donner tout de suite le nom, peut-être, hein, de donner le pourquoi du prix. Et ensuite, ça permettra qu'on écoute ce que vous avez à dire sur le sujet, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Donc. Pour remettre le prix Nature-Environnement, je demande à Églantine Émeillé, que vous connaissez, qui est journaliste, animatrice à France Télévisions. Bonsoir, merci. Alors, je suis très fière déjà de remettre ce prix Nature-Environnement, parce que vous en doutez, hein, comme beaucoup de sujets certes, mais celui-ci est particulièrement important aujourd'hui. Il n'y a pas eu beaucoup de débats pour choisir le lauréat. En tout cas, on a tous été d'accord sur un film qui nous emporte dès le début. On suit les personnages, on ne les lâche plus, sur un sujet en plus qui est une préoccupation quotidienne. Et puis, il faut reconnaître qu'avoir réussi à nous faire partager les difficultés quotidiennes des protagonistes qui pourront être vous ou moi, on peut tous amener à suivre leur parcours. On suit leurs désillusions. Et pourtant, eh bien, le film a réussi à rester sensible, très frais, et ça, c'est toute la force de Nouvelles Graines. Un film réalisé par Sophie Labruyère et Nicolas Mérieux, produit par Anne Prier-Dussert et Pierre Garnier. Êtes-vous par là? Et je vous vois, je vous distingue. Montez, et on va...
graines. Les nouvelles graines. Venez par ici. On commence par l'extrait, peut-être. Non, en image. Non, on a l'image. L'image, d'accord. Alors, je vais donner le micro tout de suite. Le choix. Là, je crois qu'on est juste choqués, nous. Ah oui. Arrêtez de bouger. Ah non, mais on s'y attendait pas du tout. Nous, on a fait un film entre nous, petit budget pour Internet, et on se retrouve à être sélectionnés. Déjà, on était choqués parce que le film n'était même pas terminé quand on a été sélectionnés. Là, on a un prix. Moi, j'ai les jambes qui flageolent alors que ça fait 10 ans que je fais du stand-up. Je sais pas ce qui se passe, quoi. Merci infiniment. Merci infiniment. Et Sophie dit quelque chose. Moi, je vais pas savoir quoi dire. Évidemment, merci. Déjà que ce film, on s'était dit ça, en fait, c'est une accumulation de petits miracles. Et donc, le fait que ce soit déjà sélectionné, que ça puisse être vu, pour nous, c'était déjà ça, l'énorme prix, l'énorme cadeau. Alors là, voilà. C'est un intérêt qui s'est mis en lumière. Oui, tout à fait. Oui. Mais on est très content que du coup, ce festival ait voulu le montrer et le mettre en avant. Merci beaucoup. Et un grand merci à notre productrice Anne Percy du Cerf et à notre producteur Pierre Garnier qui est dans son lit, qui est pas bien en ce moment. Merci à lui. Je ne sais pas s'il entendra le message, si c'est retransmis quelque part, mais merci beaucoup. À Sophie. Voilà, allez. À Sophie, à Sophie. Allez, entre une petite nous, photo. Ah, petite allez, photo. Juste tous les trois. Mireille, nous on s'en va. Ah, désolé. Je peux vous le rendre, Mireille. Merci. Ah oui, on peut le tenir. Bravo. Bravo. Alors, nous allons passer à la culture. Et pour remettre le prix culture, j'appelle Patrick Fabre, qui est réalisateur et qui est directeur artistique du Festival international du film de Saint-Jean-de-Luz. Applaudissons-le. Merci, j'apprécie vraiment. Ce que j'ai apprécié, justement, c'est que nous ayons la possibilité d'échanger. Parce qu'en ce moment, on est dans une période où on a un peu tous tendance à rester sur nos opinions, et quand on est membre d'un jury, on est amené à échanger, à se confronter, à partager, parfois à abdiquer, mais à écouter l'autre, et ça c'est bien. Et écouter l'autre, découvrir l'autre, c'est aussi ça, la culture. Et moi, grâce à ce documentaire, j'ai découvert quelqu'un que je ne connaissais pas. Je connaissais son nom, bien évidemment, parce que c'est une personnalité importante dans la culture française. Mais j'ai découvert quelqu'un que je ne connaissais pas. Autant vous dire qu'à la fin du documentaire, je me suis précipité pour aller acheter un de ses livres. Je trouve ça un documentaire absolument formidable, tant sur ce qu'il raconte de cet immense auteur que dans la façon dont il le raconte. La mise en image est absolument extraordinaire. Et ce film, c'est... Jérôme Caza fait très très bien le tambour, bravo. Encore une nouvelle corde à son arc. C'est Georges Perec, L'homme qui ne voulait pas oublier, réalisé par Pierre Lanne. Pierre Lanne qui a également fait la photo du film, produit par Cyril Pérez, Sylvie Gauthier, François Bertrand, Irad Sachs, Stress Prod, Pop Film, Caméra Lucida Production. Et c'est France 5 qui diffusera ce très 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 beau film. Voilà, je vous le recommande et je vous recommande de lire Georges Perec. Voilà, et j'ai gagné un trophée, je suis hyper content. Et il est chargé de l'amener directement puisqu'ils sont repartis. Donc, encore un supplément de bagages, merci beaucoup Christian. D'accord, ça sera pour moi. Personne ne connaît ce jeune homme de 29 ans qui entre dans la célébrité en obtenant le prestigieux prix Renaudot. Personne à cet instant n'imagine la trace que va laisser dans la littérature ce garçon venu de nulle part.
Alors, pour remettre le prix Société, j'appelle Justine Planchon, qui est productrice et directrice générale de Media One Productions. Il faut rappeler que Media One aussi est partenaire du festival. Et nous, je voulais les remercier de leur soutien. Eh bien, merci. Le prix du documentaire Société, c'est un prix important. Les documentaires de société, et on est tous producteurs, on sait à quel point c'est difficile d'aller draguer des chaînes pour vendre son documentaire, pour donner à voir des histoires d'amour, des histoires d'hommes. Et là, il se trouve qu'on a été ému, bouleversé, pris au cœur par cette histoire. C'est l'histoire d'un jeune homme qui décide de mener une quête folle, celle de réunir ses frères autour de lui et de vivre son histoire d'amour, celle qu'il n'a pas pu vivre avant. Ce documentaire s'appelle « Aux quatre vents ». C'est magnifique. Bravo. Je ne sais pas si les réalisateurs ou producteurs sont là. Donc c'est produit par Marion Clauss, Manuel Cato, Bertrand Hagenmüller, et c'est réalisé par Bertrand Hagenmüller. Et vraiment, chapeau, on a été, voilà, on a eu des larmes. Ils ne sont pas là. Ils sont repartis. Ils sont repartis. Bon, bah, je vais repartir moi aussi avec un prix alors. Oui, cette fois, supplément de bagages. Et on a des images ou pas? Non. Pas là. On leur donne pas, non? Non, mais. Alors, non, j'allais pas partir avec. Tu veux partir avec, d'accord. C'est pour moi. Et de deux. C'est pas mal d'être primé sans avoir fait de film. C'est quand même bien. On a récompensé, je pense, des films tout à fait inattendus. Donc, les réalisateurs, producteurs sont repartis, pensant qu'ils étaient des petits. Justement, on a privilégié, ça je ne l'ai pas dit, mais il y avait dans cette sélection des films à gros budget, on va dire, et certains qui ont vraiment ramé pour monter le financement. Donc, et on a voulu aussi donner un coup de pouce, non pas parce qu'ils ont eu du mal à le monter, mais parce qu'à l'arrivée, c'était des films vraiment formidables avec de petits moyens. Voilà. Donc, pour remettre le prix web documentaire, j'appelle Stéphanie Pilonka, réalisatrice, bravo. Scénariste. Bravo. Bonsoir. Merci Patrick d'avoir mis en lumière les échanges et les partages et la bienveillance de Mireille qui a su nous accompagner et soutenir et valoriser nos sentiments et nos émotions pour avoir le choix le plus judicieux mais juste. Voilà. Donc le web documentaire, moi je suis très heureuse de remettre le prix dans cette catégorie parce que le web documentaire c'est demain. Le web documentaire est libéré du poids des fonds, du poids des productions qui bien souvent sont des entraves à toute forme de création, ça c'est à soutenir. Imaginez-vous une cité, imaginez-vous Marseille, Herbel, la Castellane, le Vallon Frais et Maison Blanche. Imaginez-vous des enfants, des jeunes, défavorisés, tous dans des situations précaires, isolés, vulnérables, fragilisés. C'est le confinement. Qu'est-ce qu'on va faire? On va ouvrir nos cœurs pour donner aux autres. Et on va le faire comment? On va le faire en story Instagram et on en fera un documentaire. Donc vraiment, que d'audace, que de volonté d'aller au-delà des financements et au-delà des producteurs qui peut-être se seraient opposés à cette forme-là. Donc c'est l'audace, c'est la France qu'on aime, c'est la France du lendemain, c'est des jeunes. Quand on a 13 ans et qu'on pense à nourrir les autres, ceux qui n'ont rien, c'est qu'on a un grand cœur. Donc merci d'avoir eu le grand cœur de soutenir Tiexa, parce que ça, c'est un sacré document. Alors, Tiexa, c'est une réalisatrice qui s'appelle Anaïs Mérad. C'est France 3 région, bien sûr, mais c'est France 3 sud. Alors, attendez, j'ai tout bien, mais voilà. Donc France 3, PACA, hein, tu vois, c'est pas région, ouais, PACA. C'est pas région. Donc Mérad, le directeur de la photo, oui, les producteurs, des femmes en plus, Claire Leproust Marocco et Virginia Subramaniam, pardon, je suis nulle en prononciation, mais voilà, œuvre de filles, il fallait faire ça, hein, de filmer des jeunes enfants isolés en plein confinement avec un téléphone, donc vive les femmes. Ils sont pas là? Non. Ils sont partis aussi. Et
Alors suivez-les sur Instagram, Tieksa Maison Blanche, ce sera déjà un aperçu heureux de ce qu'ils ont été amenés à faire et qui passent la rampe, curieusement, ce sont des stories, mais j'ai trouvé que ça passait la rampe et merci à mes camarades de les avoir mis à l'honneur. Est-ce que Stéphanie se rend à Marseille bientôt ? Non, moi je suis toulonnaise, mais je vais aller à Marseille. Ça me fait plaisir de le remettre en main propre. Voilà. Vraiment. Bravo, merci Stéphanie. Mais je me dis quand même là qu'on aurait dû tricher quand même. On aurait dû envoyer des signaux à tous ces réalisateurs, producteurs qui sont repartis, qui étaient là, qu'on aurait été ravis de rencontrer, avec lesquels on aurait eu aussi envie d'échanger. Donc la prochaine fois, on lancera des signaux. Peut-être pas nous, mais ceux qui nous succéderont. Non ? Hein ? Voilà. Eh bien Mireille, tu vas avoir une pause. Merci. Une pause. À tout de suite. Alors, vous savez... Dans les festivals que j'ai l'occasion d'organiser, il y a une part de rationnel, une part de passion, une part d'envie, et puis essayer de faire passer aussi des messages. Donc il est vrai que nous clôturons la journée dédiée à l'environnement. Il y a une personnalité que j'ai eu l'occasion de rencontrer il y a quelques années, si ma mémoire est bonne, c'était en décembre 2017. C'était à un moment où on saluait l'audace et encore l'audace. Et avant de l'appeler sur scène, et je souhaiterais que Christophe Sommet approche cette fois encore, puisque en tant que partenaire au titre d'Ushaya, s'est associé à ce prix merveilleux. Il faut voir qu'il s'agit de la troisième personnalité récompensée en soirée documentaire et qui clôture la journée environnement, après Jean-Louis Etienne et Yann Arthus Bertrand. Nous allons découvrir cet homme de l'année. Mais d'abord, je voudrais que vous découvriez une magnifique vidéo. Achieving the first solar flight around the world. This is the story of two men. Bertrand Piccard, psychiatrist and explorer, and André Borschberg, engineer and entrepreneur. A team driven by a vision of the future and a passion for innovation. And the first airplane of perpetual endurance, able to fly day and night without fuel. Together with their partners, they wanted to show the power of pioneering spirit and clean technologies to bring solutions for a better world. Solar Impulse, the adventure showing that change is possible. It's a bit the moment of truth, because you know, you simulate, you calculate, you imagine, but there is nothing like testing and doing it in real. We deeply believe that we can achieve impossible and incredible things with renewable energies, like flying around the world with no fuel. And if this works, of course, everybody can do it on the ground to make a cleaner world. And this can be your way to be with us in the plane. And this was a scene in Abu Dhabi early this Monday. Dans ce journal également, the fact it is now an ultralight plane is powered only by the sun's rays. Between March and July 2015, Bertrand Piccard and André Borschberg flew without a drop of fuel from Abu Dhabi to Oman, across the Arabian Sea to India, Myanmar, China, Japan, and over the Pacific to Hawaii. How are you feeling after all that time? You broke a world record in terms of solo flight a few hours ago. Resuming the round-the-world adventure in April 2016, Solar Impulse continued from Hawaii to California and New York, across the Atlantic to Spain, then Egypt, and made it back successfully to Abu Dhabi in July.
Today, the challenge is no longer to conquer the moon. The challenge is to conquer quality of life on Earth. Our world desperately needs the implementation of clean technologies to reduce the energy consumption and the waste of natural resources. Hotel India Bravo, turning final, 0 to right. This airplane was not built to carry passengers, but to carry a message. The world could reduce half of its CO2 emissions by replacing old polluting devices with new clean technologies, like those used on Solar Impulse. I am inspired by your pioneering spirit. You know, Mr. Secretary General, if an airplane like Solar Impulse can fly day and night without fuel, the world, of course, can be much cleaner. Inspiring generations, promoting innovative solutions to the challenges of humanity, inventing a brighter future. Solar energy made it possible to fly many days and nights in a row without fuel, crossing two oceans and remaining airborne longer than any jet plane in history. 2016 has seen the completion of this pioneering adventure, flying 40,000 kilometers round the world without a single drop of fuel. Than an achievement in the history of aviation, Solar Impulse has made an achievement in the history of energy. Let's take it further! Like Solar Impulse, the clean tech revolution has taken off, presenting new ways of thinking and doing to achieve the impossible. And you can be a part of it. Bien, je souhaiterais accueillir Bertrand Piccard. Cher Bertrand, c'est toujours un plaisir de te revoir. Tu nous as fait le plaisir à plusieurs reprises d'être sur l'antenne d'Ushuaïa TV. J'ai essayé de trouver un mot pour te qualifier, il n'y en a pas. Juste solaire, peut-être. On t'a suivi en 2016 à travers ton expédition en avion solaire, le Solar Impulse. Ce qu'on aime en toi, c'est ta capacité à nous parler de choses positives, non anxiogènes, non culpabilisantes. Cette écologie qu'on aime aussi sur la chaîne Ushuaïa TV, qui est partenaire, Christian le rappelait, de cette journée aujourd'hui, là, de climat et environnement. Donc c'est tout ça, en fait, ce que ce trophée symbolise, ce prix Pyrénées d'excellence. Et peut-être que le mieux, c'est de te souhaiter une année de solution, une année 2022. On a un petit peu dépassé le 31 janvier, mais voilà, merci encore pour tout ça. Merci à toi et bravo. Alors, merci infiniment, pas seulement pour ce prix qui m'honore, honore toute mon équipe, mais merci aussi de consacrer une partie tellement importante de ce festival à l'environnement. Parce que c'est fondamental que les médias en parlent aussi d'une manière plus enthousiasmante que le monde politique. Je crois que c'est fondamental de changer le narratif de l'écologie. Alors, si j'avais reçu ce prix juste après le tour du monde de Solar Impulse, qu'est-ce que j'aurais dit ? J'aurais dit « le monde est magnifique, la nature est fragile, il faut la protéger, la vie sur Terre est un miracle ». Et puis tout le monde aurait applaudi et ça n'aurait servi à rien. Parce que je pense que ce n'est pas simplement de parler de la beauté du monde qui va faire qu'on va le protéger. Donc maintenant, je viens avec un message qui est peut-être un peu plus terre-à-terre, un petit peu moins le message du pilote-explorateur, mais un message un peu plus réaliste. Ce que je viens dire aujourd'hui, c'est qu'il y a des solutions
qui permettent de protéger l'environnement de manière économiquement rentable et qui permettent de réconcilier l'écologie et l'économie. On en a trouvé avec ma fondation 1300 aujourd'hui et on continue. Et ça nous permet quoi ? Ça nous permet de sortir de l'idéologie. Aujourd'hui, on a une idéologie industrielle qui fait penser qu'on ne pourra jamais faire de l'écologie sans endommager le développement économique. Et puis on a une idéologie écologique qui nous sépare de l'industrie en nous disant il faut décroître, il faut supprimer beaucoup de mobilité, beaucoup de confort. Et finalement, ce clivage ne permet pas de faire de la véritable écologie et de la véritable protection de l'environnement, parce que ça sépare les gens, ça les monte les uns contre les autres. Finalement, on ne sait plus s'il faut passer dans la décroissance économique qui va amener au chaos social ou s'il faut continuer la soi-disant croissance illimitée qui amène au désastre écologique. Alors, je pense qu'aujourd'hui, il faut montrer que c'est conciliable, que les solutions pour protéger l'environnement sont économiquement rentables et qu'il y a beaucoup de solutions industrielles qui permettent de protéger l'environnement. Ça permet de sortir de ce clivage, ça permet de changer le narratif, ça permet de montrer qu'il y a de l'espoir. Mais ce n'est pas de l'espoir béat, ce n'est pas du wishful thinking, ce n'est pas des vœux pieux. Il ne suffit pas de dire « le monde est beau, on doit le protéger ». Il suffit de se mettre en action, au travail, avec les solutions qui existent aujourd'hui, et de voir qu'on peut déjà aujourd'hui faire énormément à tous les niveaux, que ce soit écologique, industriel, économique, financier, politique, citoyen, individuel, collectif. Donc moi, c'est ça le message que j'ai envie de faire passer. Je viendrai peut-être une fois présenter un documentaire. Peut-être que ça, ce sera la meilleure manière de participer aussi à ce festival. Mais entre-temps, je pense que de passer un message très concret, très réaliste, d'espoir, en montrant qu'on peut faire quelque chose et de s'adresser de cette manière-là aux médias, c'est une manière de propager ce message et d'être utile. Et finalement, c'est ça que j'ai envie de faire. Le projet Solar Impulse, c'était un projet qui permettait d'aller plus loin dans l'utilité, dans la protection de l'environnement. Pas pour faire voler des avions solaires partout, mais pour montrer que la technologie a aussi un rôle à jouer. Donc merci infiniment de me permettre, par ce prix, de faire passer mon message, ce qui me tient vraiment à cœur. Bonne soirée. Merci Bertrand. Alors avant de rappeler Mireille, le moment est venu de remettre le prix du public du documentaire. Et donc nous avons, je suis heureux, c'est un film que nous avons sélectionné avec grand plaisir. Qui est l'histoire d'un capitaine militaire et qui, vous savez, a été condamné à tort, et qui est où on raconte l'histoire et de sa résilience, comme on pourrait le formuler aujourd'hui, dans sa période d'emprisonnement, d'éloignement, et qui est raconté sous le prisme des lettres de sa femme. Et c'est une approche excessivement originale, et c'est le prix du public remis à Dreyfus. Et je pense que nous devons l'avoir, peut-être. Non, on ne l'a pas. Allô ? Allô ? Delphine Morel ? Non, on ne l'a pas. Ah, je pensais que nous l'avions en vie. Non. Non, parce que la difficulté, les extraits, c'est choisir alors que le réalisateur l'a pas fait. Non. Nous l'avons perdu parce que tout à l'heure, nous l'avions. Hein.
Voilà. Ah. Ben, c'était très court, hein. Ça a été très très court. Plus court que l'emprisonnement du capitaine Dreyfus. Bon, ben c'est moi qui vais aller là-bas. Hein. On continue. Oui. Vous allez voir pourquoi nous continuons aussi rapidement. Parce qu'il y a aussi le prix de l'originalité que le. Elle arrive, elle revient. Ah, elle revient. Non, ça y est, elle est revenue. Eh bien. Mais on va quand même enchaîner. Donc il y a le prix de l'originalité en plus du prix du public que le jury, donc les membres du jury doivent remettre, et nous avons choisi de remettre le prix de l'originalité justement parce que ce sujet parle de l'affaire Dreyfus, qui ne connaît pas l'affaire Dreyfus, mais par justement le biais de cette histoire d'amour absolument magnifique entre Alfred et Lucie Dreyfus, ce que disait Christian par le biais de leur lettre. Et c'est absolu. Elle m'entend ? Oui, vous m'entendez ? Voilà. Et c'est vraiment magnifique et très original. Voilà. Donc vous avez deux prix. Merci. Alors peut-être qu'avec plaisir, nous aurions plaisir à vous écouter. Vous m'entendez ? Oui. Oui, ah, formidable. Bon, ben, écoutez, c'est vraiment une grande joie, parce que bon, le film a été terminé très récemment, et puis voilà, c'est la première projection publique, et il reçoit voilà, ce prix du public. Donc merci au public de Luchon, au public du festival, d'avoir... voilà, d'avoir aimé ce travail. Alors, juste sur l'originalité du sujet, moi, je voudrais dire que ce film, avant moi, il y a des historiens qui ont travaillé. Il y a Vincent Duclerc qui a publié en 2006 la magnifique biographie d'Alfred Dreyfus. Il y a Philippe Auriol qui a travaillé aussi sur l'affaire Dreyfus. Voilà, à travers toute une série d'ouvrages. Et puis il y a le livre d'Elisabeth Weissmann qui est la biographie de Lucie Dreyfus, qui est sorti, lui, tardivement en 2015, et qu'en fait, c'est grâce à tous ces travaux préliminaires, en fait, que j'ai pu, évidemment, avoir l'idée de faire ce film. Voilà. Et donc, c'est vraiment un film coopératif, voilà, collaboratif, qui doit beaucoup, bah, évidemment, aux historiens, aux photographes, Émile Zola, par exemple, puisqu'il y a beaucoup de photos d'Émile Zola dans le film, puisqu'Émile Zola était aussi un photographe. Et bien sûr, je voulais remercier la production, Kepler 22, remercier France Télévisions, Emmanuel Mijot et Isabelle Morin-Frenette de m'avoir fait confiance. Et puis, remercier aussi la musicienne, Macha Garibian, auquel le film doit beaucoup, je crois, dans son pouvoir de romanesque aussi, qui tient beaucoup à la musique. Voilà, merci. Elle a disparu. Ce n'était pas facile de réussir un film simplement avec des lettres. Et l'évocation est très, très, très jolie. Voilà, voyez-le. Alors, nous continuons. Il y a aussi, vous le savez, le prix de la réalisation. Alors, nous avons attribué le prix de la réalisation pour le brio de sa facture, évidemment, et pour nous avoir plongé presque en temps réel, j'ai envie de dire, dans le dépassement de soi qui nous conduit de l'univers carcéral au plus haut des sommets. Et nous avons décidé de donner ce prix de la réalisation à Vertige, qui est réalisé par Clément Chauveau et Fabien Douillard, et dont le producteur est Jérôme Caza. Il voit cette image du Mont Blanc, même dans la cellule de 9 mètres carrés, il voit loin. Je pense que si la société nous donne cette chance-là, c'est qu'ils ont compris que voilà, on a payé et qu'il faudrait aller vers une autre direction que l'incarcération. Producteur, parce que le réalisateur est parti, tout à fait brillant. Et le réalisateur était là ce matin, les réalisateurs, enfin l'un des deux était là, Clément Chauveau et Fabien Douillard n'a pas pu venir. Je suis très heureux pour eux, je vais essayer d'être très rapide, mais c'est leur premier grand film,
ce sont des réalisateurs qui font beaucoup de films de sport et qui sont intéressés à un sujet de société. C'est eux qui sont un jour venus me proposer l'histoire. Et ça a été dit tout à l'heure, vous le savez très bien, mes camarades producteurs, réalisateurs, réalisatrices, c'est difficile de vendre des films et de convaincre dans les chaînes. Et Christine Coquelin à Canal+ et Olivier Agog ont tout de suite saisi l'opportunité d'accompagner ces jeunes talents et de s'engager dans cette histoire, une histoire vertigineuse. Et je vous encourage à la regarder. C'est diffusé la semaine prochaine sur Canal+ Doc et sur MyCanal. Le 16 février, en prime time. Et vraiment, je crois que c'est un film qui a des valeurs très fortes, qui vont toucher les gens d'ici, parce que c'est des valeurs de la montagne. Et c'est d'ailleurs assez amusant de voir qu'un film qui se passe dans les Alpes est récompensé dans les Pyrénées. Et je trouve ça formidable, parce que c'est la grande famille de la montagne qui est réunie à travers cette histoire à Luchon et dans ce film. Donc je vous remercie beaucoup. Puis là, j'ai une petite émotion pour Mireille, parce qu'elle s'en souvient peut-être pas, mais j'étais un des géris de l'époque de Ballet Masque et aux États-Unis. Et je l'avais fait plein de reportages. Et on ne s'est pas vu depuis très longtemps. Voilà, et je vous adore. Un petit regard amoureux quand même, hein. Et c'est aussi, on ne l'a pas dit, mais c'est effectivement un film aussi de compétition. Donc ça ne m'étonne pas qu'ils viennent du sport, oui. les réalisateurs. Mais c'est un film humain, très humain. Merci. 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 Alors, il y avait, nous arrivons près du Grand Prix, c'est ça, de l'excellence pyrénéenne. Il y a eu là, je dois vous dire, un vrai débat, un vrai déchirement entre deux films documentaires qui nous font vivre de manière très différente, en fait, de magnifiques aventures humaines. Du coup, nous avons là encore un petit peu désobéi, Christian, mais comme on avait le droit, on a donc créé une mention spéciale, parce que vraiment, ça nous tenait à cœur. Donc, une mention spéciale pour quel film ? Eh bien, pour Vertige, parce que, parce qu'au-delà du brio de la réalisation, ça c'est bien, mais il pose une question essentielle, qui est très très importante, qui est au cœur de notre société, c'est à quoi sert la prison ? Ça, c'est important. Tout homme aussi a le droit de rêver, a le droit de se transcender, a le droit de demander pardon aussi, et surtout a le droit d'aller vers aussi de rêver et d'essayer de reconquérir cette liberté dont il a été privé, quelle qu'en soit d'ailleurs la raison. Et je voulais finir que c'était une histoire absolument magnifique, une histoire d'homme entre détenus et accompagnateurs. Voilà. Donc bravo. Je vais juste dire un mot, c'est que... Oui, bien sûr, ah bah avec plaisir, pour notre histoire commune, bien sûr. Puis Églantine et Patrice, tout le monde ici, Patrick, on se connaît depuis longtemps, mais ce que vient de dire Mireille est fondamental. Un des personnages du film dit, en France, depuis la fin de la peine de mort, on sait que les détenus doivent sortir, vont sortir. Et la vraie question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait avec eux pendant cette période de détention. Et le film n'est pas la réponse idéale pour tout le monde. C'est exceptionnel comme circonstance, mais c'est une manière de nous faire réfléchir aussi à ce sujet fondamental. La réinsertion. Merci. Et moi, je voudrais... Est-ce que vous le savez ? C'est parce que c'est très difficile de tourner, vous imaginez, en prison. Comment il s'y est pris ? Est-ce qu'il a eu, on l'a laissé faire facilement ? Parce que tout est à visage découvert, alors que... C'est d'ailleurs un coup de chapeau pour les deux réalisateurs, pour Fabien et Clément, parce qu'ils ont réussi à convaincre l'administration pénitentiaire, ils ont réussi à convaincre la direction du pénitencier, ils ont réussi à convaincre d'abord les détenus eux-mêmes. Et vous le savez, tous ceux qui font des films en immersion, il faut gagner la confiance, il ne faut pas la trahir, et en même temps, il faut garder sa liberté de regard. Et puis, il y avait cette ascension extraordinaire. Je ne dirai pas la fin, évidemment. Préparez juste vos mouchoirs. Mais dans des circonstances filmiques, et c'est pour ça que le prix de la réalisation, j'y suis très sensible pour eux, parce que c'est pas facile, vous le savez, de tourner en très haute montagne. Et ils ont fait un travail magnifique. Et on a eu beaucoup de chance aussi avec la météo. Voilà. Ça compte. Merci. Merci à vous. Voilà, et enfin, voilà, on arrive au Grand Prix, à l'excellence pyrénéenne. Nous avons décidé de donner un film documentaire qui nous a tous fait rêver,
qui nous a plongé dans la véritable, aussi dans une autre aventure humaine, mais l'aventure humaine de toute l'humanité. Et c'est une aventure qui nous emmène, vous allez voir, parce que vous allez le voir juste après, de l'origine du monde aux confins encore inexplorés du futur. C'est absolument vertigineux, c'est magnifique. C'est aussi, je disais, une aventure humaine parce qu'il y a toute une chaîne, effectivement, de chercheurs, de chercheuses qui se sont succédés pendant des décennies pour arriver à une espèce de petite merveille technologique. Et cette petite merveille de technologie, qui est d'ailleurs ce qu'il y a de plus merveilleux dans la science, et quand on arrive à une perfection pareille, vous allez le voir, et c'est ce qui nous touche, et c'est pour ça, et c'est pour cela que ce film aussi a ce grand prix. Donc, je vais donner le nom, il s'appelle Hubble. Hubble, cet énorme robot, vous allez le voir, devient véritablement un être humain. Et il nous porte, il nous transporte, et il a une âme. Et c'est un film très compliqué au départ, et qui devient vraiment une aventure merveilleuse, parce que ce Hubble devient notre œil, l'œil que nous ne pouvons pas d'ailleurs avoir sur l'espace. Et vous allez apprendre des tonnes de choses. Donc accrochez vos ceintures, parce que c'est un véritable voyage dans l'espace. Magnifique. Et donc, le prix... Nous avons séparé les panneaux solaires du télescope. Ensuite, je me suis éloignée en les tenant. Et elle a tenu les panneaux solaires qui ressemblaient à une aile de ptérodactyle géant. Ok, understand, we have a go for release. Tell KT, go for release. Hey, the hands! Et puis, elle les a laissés partir et ils se sont envolés. Vous allez voir, c'est prodigieux. Vous allez faire un très 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 beau voyage. Donc ça s'appelle l'Odyssée d'Hubble, un œil dans les étoiles. Vous allez vraiment partir dans les étoiles. Donc réalisé par Laurent Lichtenstein et Aline Houdi. On est la productrice. Est-ce que quelqu'un est là ? Aline ! Ah ! Aline est là ! Bravo ! Bravo ! Bon, je disais, je suis trop trop contente, vraiment vraiment, parce que je suis vraiment très contente parce que vous avez compris le sens du film, voilà. Donc c'est à la fois une aventure humaine, une aventure scientifique, une aventure artistique, parce que les images de Hubble sont en noir et blanc, et en fait on leur donne de la couleur à travers aussi l'expérience des peintres américains. Ça, vous allez le découvrir, parce que c'est... C'est assez magique. C'est magique, hein. On ne le sait pas, ça. C'est une véritable découverte. Et puis, c'est aussi une aventure philosophique, parce que Hubble nous montre des paysages de l'espace, nous montre pour la première fois, on a pu voir effectivement ces paysages majestueux de l'espace. Et du coup, ça nous interroge aussi sur notre place dans l'univers. Donc... je suis très très émue parce que je pensais pas qu'un film scientifique. Nous non plus. Je dois avouer que nous non plus. Voilà. Nous avons été surpris nous-mêmes et embarqués dans cette histoire absolument. Non, mais je disais, Hubble devient un véritable être humain. C'est ce qu'on voulait dès le départ. On sentait bien qu'Hubble c'était plus qu'une machine. Alors c'est pas un robot. Je suis désolée, Mireille. Oui, c'est un télescope spatial. Oui, d'accord. Mais pour moi, c'est un énorme robot. Mais c'est la taille d'un autobus. C'est pas si énorme que ça, quand même. Hein, c'est vrai. Finalement. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Donc, au départ, c'est ce qu'on voulait, c'est pas raconter un objet technique, mais embarquer tout le monde dans l'histoire que, d'ailleurs, les gens qui racontent ont vécu de façon tellement intense depuis 30 ans que Hubble est dans l'espace. Voilà, ils ont raconté, c'est leur vie, quoi. Il y en a un qui dit c'est mon bébé, et voilà, c'est son bébé.
Et donc, je remercie aussi beaucoup France 5, parce que c'est pareil, ils ont été embarqués tout de suite dans l'histoire. On est parti très très vite en développement. Donc je remercie Laurent Lichtenstein, évidemment, le réalisateur, qui a fait un boulot absolument formidable. Ah oui, de recherche aussi, d'archives absolument incroyables. Ah ben ça, c'est les archives de la NASA. Mais je sais, mais il faut le dire, qu'on n'a jamais vu. Qu'on n'a jamais vu. Et puis ce qui était formidable, c'est qu'on a découvert, en fait, au fur et à mesure que les gens parlaient, on les a retrouvés en archives au moment où ils vivaient les événements. Donc on a l'aller-retour toujours entre passé et aujourd'hui. Et ça, ça donne effectivement une vie incroyable. On a des archives, c'est... Enfin, ils ont tout filmé, la NASA, dans l'espace, tout le moment où une opération de maintenance a failli foirer parce qu'ils n'arrivaient pas à dévisser une vis, hein, voilà. Et qu'heureusement que l'astronaute était aussi... Oui. Mais c'est un film universel, et en plus pour toutes les générations. C'est ça Oui. Alors, je pourrais vous parler de Hubble pendant longtemps, mais vraiment, je suis très, très contente. Si vous voulez, je propose que vous allez faire une photo, mais vous allez voir, il y a plusieurs choses qui vont se dérouler après cette belle photo. Et après, je vais inviter sur scène, qui se prépare, tous ceux qui ont été récompensés ce soir à nous rejoindre sur scène avec les membres du jury, s'il vous plaît. Et je voudrais inviter aussi Monsieur le maire de Luchon à nous rejoindre pour cette photo de remise des prix du documentaire. N'est-ce pas? Et sachant, vous qui êtes dans la salle et qui n'avez pas pu découvrir ce film, vous allez avoir la possibilité de le découvrir ce soir après cette cérémonie de remise de prix. Donc j'invite tous les gagnants ce soir à rejoindre et monsieur le maire de Luchon pour cette photo de famille. Allez-y, je vous en prie. Si, j'arrive. Alors, Bertrand, tout, allez, l'excellence. Et maintenant, tout le monde. Viens à côté. Bertrand, à côté des deux Pyrénées d'excellence. On va mettre les deux Pyrénées d'excellence l'un à côté de l'autre, autour de Mireille. Et s'il vous plaît, venez rejoindre tous les récipiendaires. Allez-y, mettez-vous des deux côtés de. Oui, monsieur le maire. Attendez, moi je vais me mettre petit alors. Je vais faire comme d'habitude. Depuis le début, je suis soumis à Mireille Dumas. C'est comme ça à chaque fois. Allez, venez les mises. Ah, oh, la géopolitique à côté de moi. Ah, ici. Merci à vous. Eh bien, nous allons avoir la chance de découvrir Hubble maintenant. Donc, ce merveilleux spectacle aérien, lunaire, spatial. Et alors, pour information, pour tous ceux, parce que je ne reprendrai pas la parole, pour tous ceux qui sont conviés au titre de la soirée en partenariat avec la fameuse soirée 10% et en association avec, du moins, c'est pas une soirée, c'est un dîner, parce que vous savez, on ne peut pas faire de soirée en ce moment. Donc le dîner 10% offert par la station de Super Bannière et le groupe Media One. Donc c'est à partir de 21h, les téléportés sont ouverts et suivis, évidemment, vous pouvez y avoir accès sans, et donc vous serez guidés par nos équipes jusqu'aux différents restaurants. Et bonne projection avec Hubble. Merci, monsieur le président.